Amis astronomes, bonjour. Je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va être très courte, mais enfin très courte, on va essayer, pour vous parler d'un livre qui me tient vraiment à cœur et surtout de cet homme qui l'a écrit et puis qui l'a écrit parce qu'il est légitime dans le domaine et très légitime d'ailleurs. Il avait écrit déjà un bouquin qui s'appelait « Astrophotographie » de Thierry Lego chez Eriol, qui parlait de l'astrophotographie avec, alors il fallait du matériel de dingue, il fallait des gros télescopes, des grosses lunettes, machin, des caméras, des appareils photo, enfin, si vous n'aviez pas un minimum de 15-20 000 euros de matos entre appareils photo, télescopes, GPS, machin, enfin bon, il fallait du matos de dingue. Donc, mais qui est très intéressant à lire parce qu'on apprend comment certains astrophotographes amateurs, experts ou professionnels arrivent à faire certaines images de planètes ou du ciel profond ou même ces fameuses images qu'on voit passer la station internationale devant le soleil. Voilà. Donc cet homme que je vous l'ai dit, c'est Thierry Lego, qui a écrit un livre, Le secret de l'astrophoto, matériel technique et observation. Alors, l'astrophotographie, en quoi consiste cette discipline? Cette discipline consiste à faire des photos du ciel nocturne. Alors, pas n'importe comment et pas avec n'importe quelle technique. Il faut utiliser des appareils photo, donc des appareils photo qu'on appelle des réflexes. Pourquoi? Si vous utilisez des appareils photo, alors il y en a certains dans certaines gammes qui peuvent le faire, mais apparemment par ce monsieur Thierry Lego, c'est pas conseillé. Enfin, c'est conseillé pour faire certaines choses, mais pas pour tout. Mais si vous voulez obtenir les meilleures photos, il faut commencer par faire des photos d'astrophotographie avec des réflexes. Par exemple, comme le 600D qui est en train de me filmer, ou même un peu plus évolué, le 750D qui est ici, qui sont des réflexes qu'on appelle avec des capteurs APS-C. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails dans ces vidéos parce que c'est plus pour vous présenter le bouquin, je vous en parle. Donc, vous avez là dans les mains, j'ai le Lumix FZ300 de Panasonic. Alors, c'est pas un appareil vraiment que je conseillerais pour faire de l'astrophotographie, mais avec certains réglages que je vous parlerai plus tard, que j'essaierai de faire une vidéo là-dessus, on peut arriver à faire de jolis timelapses de la Voie lactée. Mais alors, avec ce genre d'appareil photo, il faut être dans des conditions optimum. Avec un APS-C aussi, avec un réflexe aussi, il faut être dans des conditions optimum. C'est-à-dire le moins possible de pollution lumineuse, et même le mieux c'est de ne pas en avoir du tout, de pollution lumineuse, mais c'est très difficile d'en trouver maintenant, des endroits où il n'y a aucune pollution lumineuse. C'est très très difficile maintenant. Donc, ce monsieur Thierry Lego, il a écrit les secrets de l'astrophoto. Donc, voici le bouquin. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Secret de l'astrophoto. Vous voyez une belle image d'ailleurs, hein, de la nébuleuse de la tête de cheval, hein, la chevelure de Bérénice, qu'on appelle aussi, qui se trouve dans la constellation d'Orion. Hein. Donc, ce bouquin, il vous explique comment faire de l'astrophotographie avec simplement, alors c'est pour certaines techniques de photo, avec simplement un trépied et un appareil photo, oui, avec un APS-C comme j'ai là, ou avec des capteurs plein format ou full frame ou 24-36. Ça, c'est les gros capteurs
qui font un peu plus du double, à peu près le double de la PSC. D'ailleurs, 24-36, c'est la taille du capteur. Hein. Mais sur certains appareils, vous allez voir marquer 24-36. Sur d'autres, vous allez voir marquer full frame. Et sur d'autres, c'est marqué zut. Trou de mémoire. Vous voyez les vidéos pas sans prompteur, ce que ça donne. Plein format. Ah, excusez-moi, je cherchais plein format. Donc voilà. Donc, il vous apprend comment faire les photos avec le minimum de matériel. Alors, c'est vrai qu'il conseille plus d'avoir du 24-36, c'est-à-dire du plein format ou du full frame, parce que, étant donné que le capteur est plus grand, que les cellules du capteur, donc des pixels qui forment le capteur, sont plus grosses, et donc capte mieux la lumière. Ça, c'est vrai que alors c'est pour ça que tout ce qui est en dessous des capteurs APF-C, c'est à proscrire. Là, c'est un 1 pouce qu'il y a là-dedans. 1 pouce, c'est, je vous dis pas de conneries, c'est 13-18. APC c'est 23-17 je crois, et donc le full frame plein format 24-36. Voilà. Donc forcément ici là le capteur est plus petit, plein de millions de pixels, donc les pixels sont petites. Alors il explique dans le bouquin en résumé, hein, j'ai lu 2-3 passages du bouquin, hein, je l'ai eu aujourd'hui, donc je l'ai lu un petit peu ce matin vite fait comme ça, 2-3 trucs. Il explique dans le bouquin qui est pas forcément avoir besoin de faire la course aux pixels. Pour faire de belles photos, vous n'avez pas besoin d'avoir des appareils photo qui ont des 24, 25, 30, 40, 50, 60 millions de pixels. Ça sert pas à grand chose. Si vous avez, comme il le dit lui dans le bouquin, si vous avez un full frame 24-36 plein format, donc voilà, je vous ai dit les trois trucs, en 12 ou 18 mégapixels, déjà c'est très bien, vous pouvez faire de la très belle photo avec. Alors le bouquin il coûte 23 euros à la Fnac comme d'habitude, hein, vous pouvez le trouver ailleurs, hein. Voilà. Donc, c'est quand même un livre qui est très intéressant. Donc, je vais le lire le plus rapidement possible. Je ne vous en ferai pas un résumé parce que ce n'est pas le but de la chaîne. Mais si vous voulez faire de l'astrophotographie avec très peu de matériel, le voilà. Il est sorti, c'est le bouquin. C'est Thierry Legault. Alors, je vous mettrai toutes les références en bas dans les commentaires, dans les machins. Dans la description de la vidéo, je ferai un effort, vous inquiétez pas, cette fois je ferai un effort pour cette vidéo, parce que je sais que d'habitude je le dis mais je le mets pas, hein. Donc si je vous lis un petit peu le synopsis, donc le synopsis c'est ce qui se trouve en quatrième de couverture. Alors donc voilà, excusez-moi, il y a eu un petit problème avec la vidéo, il y a eu un intervenant qui savait pas que je faisais du tournage vidéo. Donc, je vous parlais de la quatrième de couvre. Sur un bouquin, la première de couvre, c'est ça. Deuxième de couvre. Troisième de couvre. Quatrième de couvre. S'il y en a qui le savaient, tant mieux pour eux. Mais bon, pour info, quatrième de couvre, c'est la fin du bouquin. C'est l'arrière du bouquin. Donc, je vais vous lire le synopsis parce qu'il n'est pas très long et je ne vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Choisir et préparer son matériel, penser sa sortie photo, photographier la Lune, les planètes, les constellations, les nébuleuses, le Soleil. L'auteur du best-seller Astrophotographie, bible de référence sur le sujet, s'adresse dans ce nouveau livre aux amoureux des étoiles qui rêvent de photographier le ciel mais ne sont pas très équipés ni encore très expérimentés. À travers des conseils de terrain très concrets, et peu de théorie ou de technique, il les guide progressivement dans leur pratique. Un livre de passion
de transmission d'expérience à la portée de tous les astrophotographes en herbe. Donc voilà à peu près grosso modo ce que le livre va vous parler. Donc si vous voulez l'acheter, alors c'est donc l'auteur du livre, c'est Thierry Lego. Donc Thierry comme Thierry, hein, T-H-I-E-2-R-Y et son nom de famille Lego, L-E-G-A-U-L-T. Les secrets de l'astrophoto, matériel technique et observation chez Ariol. Ariol Édition, qui est une très bonne édition pour les bouquins scientifiques. Ils en font beaucoup. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Il est aussi l'auteur de Astrophotographie aux éditions Ariol. Donc un autre bouquin qui est plus pour les passionnés, les trucs bien poussés, quoi. Voilà. Donc voilà un peu. Donc voilà les paragraphes qu'il y a dans le bouquin. Donc le matériel de base de l'astrophoto, photographie le ciel sur trépied, photographie le ciel profond, photographie la lune, photographie les planètes, photographie le soleil. Alors pour le soleil, il vous parle en premier des filtres solaires. Là c'est pareil. Hein. Alors c'est pas vos yeux que vous allez abîmer, c'est le capteur. Si sur l'appareil photo vous mettez pas un filtre. Donc voilà, amis astronomes, je vous avais promis que je ferais la vidéo très courte, mais il y a eu une interruption inopinée de personnes qui viennent comme ça pendant les tournages. Je leur remercie, pas du tout. Ça me met en colère, j'aime pas du tout ça, qu'on vienne m'interrompre dans un tournage. Mais enfin bon, c'est pas grave. C'est la famille, ça reste en famille. Amis astronomes, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Je remercie encore les 47 abonnés. Et je vous dis, mettez l'œil oculaire, prenez soin de vous, mettez les petits commentaires, mettez les petits pouces en l'air, mettez les petits pouces en bas, abonnez-vous, à bientôt, à plus, merci. Et au revoir.